Alors les filles, si je vous dis Ladakh, vous pensez à quoi? Yeti. Yeti. Monastère. Monastère. Si je vous dis Bardia, vous pensez à quoi? Éléphant, rhinocéros. Tigre. Ok. Tu vois là? Parce que tous ces petits chemins. Parce que les verts et le bleu, c'est les cailloux. Oui. Maman, tu peux montrer la tête de Babi? Petite marmotte. Piccolo. Vous êtes prête pour le trek? Oui. Yes. Allez. C'est parti. Allez hop. Allez. Bye bye. Bye bye. Allez Yolda. Il est où? Ah yes. Allez Babi, en voyage. Jeudi 22 août, après avoir traversé la vallée de la Marca durant 4 jours, nous poursuivons à présent notre ascension jusqu'au premier col à plus de 5000 mètres. Il est en partie recouvert de neige, ce qui rend cette journée à la fois épuisante et féerique. Lamo s'étant endormie sur son cheval, Tenzin est montée avec elle pour ne pas courir le risque d'une chute. Un peu plus loin devant nous, nous apercevons une caravane de 15 chevaux. Cette vision inattendue nous apparaît presque comme un mirage. Nous traversons rapidement le col et son manteau neigeux pour rejoindre une autre vallée, beaucoup plus rocailleuse. Au loin, le Changtang nous paraît inatteignable. La descente est rendue difficile par les névés, le sol meuble et la forte pente. Nos jambes deviennent rapidement cotonneuses. En milieu d'après-midi, après avoir longé une dernière crête, surmonté une dernière pente, nous parvenons enfin au col de Chagzangla à 5300 mètres. Yeah! Le col! Magnifique! Waouh! Wow. Et le Changtang devant nous! Youhou! C'est pas ta coin, voilà! Maman, papa, regarde! C'est ta coin, passe! Les chevaux! Ouais! Ce col est pour nous tous un véritable enchantement. Et c'est avec regret que nous devons le quitter rapidement pour rejoindre en contrebas l'oasis de Gia, où nous sommes attendus pour la nuit. Au cours de la descente, et après 7 jours sans réseau, Jigmet reçoit un appel de son épouse et apprend qu'il est désormais papa d'une petite fille qui est née le jour de notre départ en trek. Il est donc très pressé d'achever cette descente pour aller rejoindre sa famille et nous quitter durant 2 jours. À notre arrivée à Gia, nous sommes accueillis par Urgain, chez qui nous allons passer 2 nuits. Ils vont rester là, les chevaux. Ils vont aller se promener pour manger de l'herbe. Jigmet va donc devoir temporairement nous quitter, mais avant cela, Lamo a quelque chose pour lui. This one for the baby. Okay, thank you, Lamo. Very helpful. Thank you, Sheikh. Okay, bye. See you after tomorrow. See you after tomorrow, okay?